Hey Michel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Idols. Je fais du suspense alors que c'est marqué dans le titre sur la miniature de où tu. Tout ce que tu veux, vous avez reconnu, je pense. Mais ça fait deux fois dans une journée que je dis ça. Enfin bref, nous allons passer au concert. Donc le chapitre 6. C'est parti. Chapitre 6, rêve étoilé. Combien de temps attendre encore, tu crois? Claire passe un bras autour de mes épaules et me répond toujours en français. Seulement 2 minutes de moins que la dernière fois que tu m'as posé la question, Minatian. Désolée, désolée, mais je suis tellement impatiente. Autour de nous, la salle s'est remplie. Je ne vois plus aucun siège libre, même en me mettant debout sur la pointe des pieds et en me dévissant la tête de tous les côtés. L'excitation est presque palpable, elle vibre et fait comme une coupole au-dessus de nous. De mon tabouret, j'essaie tant bien que mal de ne pas trop dévisager le manager de 21st Zone et surtout Sora, assise à ses côtés. Je remarque pas mal de fans dans les gradins qui la prennent en photo et l'observent avec des mini-jumelles. Mais je ne vois pas les imiter. On le voit assez. Ah, je crois que voici la sœur Danielle. La main sur mon épaule, ma cousine me fait pivoter à 180 degrés. Je me retourne face à une adolescente coréenne qui, en effet, comme son frère nous l'avait dit, ne lui ressemble pas du tout. Elle a un visage rond, des yeux très bridés et un tout petit nez. L'adolescente s'incline pour nous saluer, puis s'approche très timidement de nous, une main devant la bouche et l'autre tendue. Je lui souris. La tête un peu baissée, elle me rend un sourire embarrassé derrière ses doigts déployés en paravent. Je lui remets alors l'enveloppe que m'a confiée Aniel. La jeune fille la prend des deux mains avec un petit rire gêné qui me rappelle celui de Raon à l'aéroport, et nous salue encore. Elle repart ensuite en sautillant rapidement vers une dame et une autre adolescente assise juste à côté de la première scène. Elle a l'air sacrément timide, rien à voir avec Aniel à nouveau. Elle ne l'est pas nécessairement pourtant. Mais elle a dû avoir peur que tu parles en anglais comme tu es étrangère. Beaucoup de Coréens doutent de leurs compétences en anglais et en évitant d'interagir avec des Occidentaux à cause de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sympathiques et pas ouverts. Et surtout, c'est pas du tout contre toi si ça arrive. Oh, elle parle en français, c'est merveilleux. Cette exclamation en coréen juste derrière moi, Claire et moi ne pouvons pas nous empêcher de nous retourner dans la direction de la voix. Nous nous trouvons face à deux jeunes femmes de notre âge. Je sais pas parler, c'est pas possible. Elles aussi assises dans la zone VIP. Des vraies françaises. Avant que nous ayons pu répondre quoi que ce soit, elles s'exclament encore en dévisageant Claire. Oh, mais tu ressembles à Colin. Et tu es métisse. Tu ne serais pas sa sœur par hasard? Tu as les mêmes cheveux blonds que lui et les mêmes yeux noisettes. C'est une autre femme. Elle arbore en effet un t-shirt du fan club et des étoiles aux oreilles, sans oublier l'élastique ad hoc posé sur ses genoux. Colin est mon préféré, même si je les aime tous. J'ai commencé à apprendre le français d'ailleurs, déjà que j'adorais cette langue de base. J'ai même déjà été à Paris et à Strasbourg. Claire me jette un petit regard de connivence. Ah oui, c'est vrai, elle a parlé en allemand. Je sais toujours pas le dire, hein. Attends. Je sais cette fois. Er hat es ja mir gesagt. Oui, j'ai fait allemand élevé de bon sourd. Je crois que c'est ça. Hein. Non, mais elle est sérieuse, la voilà qui passe à l'allemand maintenant. Heureusement que j'ai étudié quelques mots au collège. J'ose donc la tête pour indiquer que j'ai compris. Par contre, moi, j'ai pas compris. C'est vrai que Colin nous avait prévenu que certaines de ses fans apprennent le français. Il faut donc faire très attention à ce que nous disons, même si. Faut donc faire très attention à ce que nous disons même dans cette langue, surtout ici en pleine galaxie. Tu as raison, je suis bien la sœur cadette de Colin. Je crois qu'il a en effet une utile de cachet vu la ressemblance entre mes deux cousins. Et toi, tu es? Je m'appelle Chaiwon. Je suis comète pour la vie, jusqu'au Bing Crunch au minimum. La jeune fille nous sourit avec enthousiasme. J'ai gagné cette place de choix parce que j'étais la première à acheter le package de l'album Constellation qui est sorti il y a 3 semaines.
J'ai dormi devant le magasin à Séoul pendant 4 jours. Je suis de gros yeux en entendant cela. Je ferai jamais un truc pareil. Elle a vraiment d'être une fan hardcore pour d'aller si loin pour son groupe préféré. Faut d'autant plus qu'on fasse attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait alors. Je suis en tout cas si surprise de ce que Chaewon vient de nous dire. Je peux pas m'empêcher de demander des détails. Tu n'as pas de problème pour aller en cours? Je travaille en fait. Je suis laboratine. Oui, je suis laborantine, non. À Busan. Alors j'ai pris des congés. Ça valait le coup pour être ici. Je révise tous mes jours de vacances pour le groupe et je prends. Je réserve tous mes jours de vacances pour le groupe et je prends même aussi des congés dans son solde quand j'en ai pas assez. Vous voyez, c'est à ce point que je les aime. Et elle? Ah, yes. Va pas manquer. Chaewon passe le bras autour des épaules de la deuxième femme. Deuxième fan, oh. Assise à ses côtés un peu plus loin de nous. Elle a acheté 32 rééditions pour être tirée au sort afin d'avoir la chance. Afin d'avoir sa place en VIP aujourd'hui. Comme c'est moi qui avais déjà eu le ticket du premier album parce que je l'ai battu de vitesse pour m'installer devant la boutique, elle sourit avec amitié à l'autre jeune femme avant de tourner à nouveau la tête vers nous. Si ça, ce ne sont pas des vrais fans, je crois que je me suis trompée à la phrase d'avant, mais c'est pas grave. Cette fois, elle regarde Claire spécifiquement. Son visage et ses yeux sont toujours très souriants. Elle a l'air très sympathique, très ouverte, avec le contact facile et l'enthousiasme communicatif. Tu pourras dire à Colin que les comètes se sont prêtes à tout pour soutenir Sir Star au maximum. Qu'il ne s'inquiète pas pour le nouvel album qui sort en début d'année, on lui fera rafler tous les prix sans souci. Ses yeux font une fois de plus un aller-retour dans l'autre Corée, vers le coréen. Myung et moi, on s'est connus parce qu'on était toujours au premier rang pour tous les événements du groupe, toutes les deux. Je ne t'aime pas. Je ne suis jamais aimée, donc. Je porte une attention plus soutenue à la seconde jeune femme, Myung, donc qui paraît l'antithèse de Chaewon. Elle reste en effet silencieuse et nous observons seulement derrière sa frange noire. Elle est sans doute timide ou, comme Claire l'a expliqué tout à l'heure, elle a peur de devoir finir par parler anglais avec moi qui suis étrangère. Je la trouve en tout cas très jolie avec des traits très délicats. Mais bon, ça n'empêche pas ça. Je la vois tout à coup froncer les sourcils, les yeux fixés sur mon sac à main. Tu as eu l'éventail de Taewoong à l'extérieur de la salle? Je m'attendais pas du tout à cette interrogation. Oui, et toi? J'ai eu celui de Jinseong. Mais Taewoong est mon préféré, j'aurais bien voulu recevoir le sien. Seulement, il n'en avait plus quand je suis arrivée. Tu voudrais bien faire un échange avec moi? Bon. Cette fois, je vais pas refuser. Ça se peut, ça va changer son comportement durant tout le long du jeu. Parce que c'est un choix déterminant. Et surtout parce que c'est plus ma partie annuelle, du coup, je peux faire une exception. Je n'ai pas de raison de refuser. Puis au moins, on a Ginny, donc ça change rien. Après tout, pour moi, c'est pareil, car je n'ai pas d'une préférence marquée envers l'un ou l'autre. Sans compter que je peux parler en vrai, que je peux leur parler en vrai et je les reverrai régulièrement si tout va bien dans un quart de privé par-dessus le marché. Et puis, de toute façon, pour me vanter, j'ai le ventilateur de Gia. Mais ça, je ne vais pas lui confier. Je lui tends donc l'objet de sa convoitise, ce qui me vaut un sourire de sa part. Merci beaucoup. Tu es très gentil. Ah ouais, d'accord. Elle change totalement de truc avec nous. Bon, par contre, elle fait pas des choses bizarres avec le. Hein, parce que voilà, du coup, c'est elle qui me manquait. Eh bien, je m'en fous quand même. Je t'aime pas. Elle le prend très vite, comme si elle avait peur que je me ravise. Elle me donne celui de Ginny à la place. J'oublie cependant ses éventails en une fraction de seconde. Les lumières s'éteignent d'un seul coup dans la salle tandis que le public commence à hurler à plein poumon. Claire m'attrape le bras pour me remettre dans le bon sens face à la scène. Et elle crie aussi dans mon oreille. C'est ton moment attendu depuis si longtemps, profites-en à fond. Ça, j'y compte bien. Et si demain je n'ai plus de voix, tant pis. Ça en vaudra la peine, et le thé au miel comme les pastilles sont faites pour ça. Je ris, mais je sens la nervosité enflée dans ma poitrine alors que les fans continuent à hurler de plus belle. Près de nous, Chaewon s'agite aussi toute impatiente alors que le début du concert est maintenant une question de secondes. L'excitation est également près de.
me submergeais dans cette ambiance particulière. Soudain, les écrans géants de part et d'autre de la scène s'allument et des cris montent comme un seul verre au plus. Ben, vers le plafond de la salle. Ouais, je. Cherchez pas, je bug sans raison, souvent. Tout de suite après, nous sommes à nouveau plongés dans le noir. C'est comme des montagnes russes émotionnelles. L'élastique jaune pâle s'agit de tous les côtés, on dirait une tempête d'étoiles. Je m'en prive pas non plus. Je n'ai pas de lastique, mais je lève le bras en souriant comme je n'ai jamais souri. Sur les écrans s'illumine alors un magnifique ciel nocturne et étoilé. Puis 5 étoiles filantes fondent la nuit. Je peux pas détacher les yeux des traînées brillantes qui glissent sur les écrans. Les étoiles donnent l'impression de se diriger tout droit vers la Terre. À chaque impact, l'un des membres du groupe apparaît sur les écrans, comme s'il sortait d'un brouillard créé par la poussière d'étoiles. Oh mon Dieu. D'abord Ginny, puis Imchad, Colin, Gia, et enfin Aniel. Ah, c'est bon. Je vous laisse admirer pendant quelques secondes cette magnifique image. C'est bon, on y retourne. Chaque apparition provoque des cris aigus, enthousiastes et émus. Enthousiaste, je ne sais pas lire. C'est cool. Chaewon et Miyoung ne sont pas en reste près de moi. Je crie aussi. Je m'époumonne à mon tour pour faire savoir ma joie d'être présente. Claire bat également des mains et écrit surtout le nom de son frère avec un grand sourire. Chaewon me prend le bras comme si elle me connaissait depuis des années. La fanitude de ce petit quelque chose qui lit des légendes décidément. Les écrans deviennent soudain noirs d'un seul coup une nouvelle fois. Puis des bouts de paroles apparaissent avant de s'effacer peu à peu. En fond, la musique sans chant résonne et fait monter la pression. J'ai le cœur qui bat à tout rompre. Si Sorcer n'apparaît pas rapidement devant nous en chair et en os, je crois que je vais finir par faire une crise d'apoplexie. Ça arrivait d'un coup, j'ai eu peur. Enfin, les projecteurs se braquent sur le fond de la scène et dévoilent les 5 membres du groupe alignés les uns à côté des autres. Les cris redoublent. Myung laisse échapper une exclamation impuissante qui vrille mes oreilles. La voix de Gia s'élève alors sans musique mais puissante. L'ensemble de la salle de concert est comme transporté alors que le silence se fait dans le public pour l'écouter. Les voix des autres rejoignent Gia pour le refrain et la première chanson du concert est lancée. C'est la balade de la récente réédition de leur album Constellation. Ouais, en fait, je le dis en français, mais ça se passe en anglais. C'est pas grave, vous avez pas compris, c'est pas grave, personne ne le sait. Une de mes chansons préférées. Tout à coup, le groupe s'éteint, et je comprends qu'un moment de fan chant est arrivé. Mes lèvres se mettent à bouger d'elles-mêmes, comme celles de mes voisines. Il me semble que de l'autre côté du podium, où je glisse très vite les yeux, même Sora reprend les paroles en chœur. Je prends la main de Claire dans la mienne. Wouion. Comme une façon de bien ancrer la réalité, peut-être. Ma cousine me jette un petit regard et sourit de toutes ses dents. Oui, oui, Mina-chan, je t'assure, tu es bien concert de Surstar. Je ne réponds pas porté par la musique. Mais déjà, la deuxième chanson arrive. Elle est beaucoup plus rythmée avec une chorégraphie travaillée et éblouissante. D'abord Aniel qui est au centre et les autres également en retrait derrière lui. Tous enchaînent les pas avec une précision millimétrée. Je suis vraiment pas parler, ça m'énerve. Ils sont en parfaite synchronisation et Aniel laisse sa place à Colin qui commence à rapper. Son flow est encore plus impressionnant. Oh mon Dieu, c'est la fatigue. Vous en faites pas. Ouais, bah non, c'était juste, mais je vois. Je me contredis moi-même, c'est horrible. Je me demande même comment il fait pour enchaîner en donnant l'air de ne plus avoir besoin de respirer. Un flot de fierté familiale m'envahit en songeant qu'il est mon cousin et qu'il est capable de telles prouesses. Après le rap de Colin, la chorégraphie monte en intensité. C'est Dini qui est à présent à l'avant alors que les pas ultra rapides s'enchaînent toujours en parfaite harmonie. C'est vraiment impressionnant et Dini n'a presque plus rien à voir avec le jeune homme passe-partout dans son appartement. Maintenant, il mène littéralement la danse, vif comme l'éclair précis, gracieux, et il éradie l'assurance.
Lorsque Im Chan souffle le dernier mot de la chanson, les lumières s'éteignent et les cris retentissent. Les projecteurs se rallument. Nous passons ensuite à une chanson entraînante aux paroles positives qui met de bonne humeur et donne envie de bouger. Je sais pas parler. C'est chiant. Le genre de morceau à mettre pour se donner du punch le matin ou quand on a un coup de déprime. Tant de bonne humeur et d'énergie se dégagent que tout le monde autour de moi paraît se sentir bien au bord du rire. Cette chanson terminée, les membres du groupe saisissent des petites bouteilles et boivent un peu d'eau. Colin touche dans le même temps le micro devant sa bouche. C'était ça ou pas? Je sais pas. Il s'avance sur le podium qui plonge dans la fosse, s'arrête presque devant nous. Ah oui, c'est vrai. Attention, le petit discours de Colin que je n'ai pas réussi à bien faire la dernière fois parce que je sais pas lire. Est-ce que je vais réussir? Non. Spoiler alerte, non. Comme à chaque fois que je suis face à vous tous, j'ai du mal à trouver les bons mots pour vous remercier d'être présents, encore et toujours. Que de chemin parcouru depuis notre premier single, et tout ça grâce à vous. Mais aussi à ces quatre-là. Colin passe un bras par-dessus l'épaule de Imchan qui la rejoint et sourit. Annelle et ses innombrables cactus qui sont presque comme le sixième membre du groupe au point où on en est. Il faudrait renommer le groupe Cactus City. Des rires éclatent de toutes parts. Alors que le groupe marche vers la deuxième scène, étoile à cinq branches. Ouais, c'est ça. Qui s'avance presque jusqu'au gradin. Une chaîne dont la gentillesse et la patience continuent encore à me surprendre chaque jour. Une chaîne s'adore vers Colin et les sourit aussi avant de faire un petit signe vers le public. Ginny qui m'impressionne chaque jour un peu plus par son talent et son ouverture d'esprit. J'ai failli faire un sans faute et non, j'ai bugué. Et Jiak et son petit caractère mais sur qui je sais que je peux toujours compter. Cette phrase résonne un peu différemment pour moi après ce que j'ai vu quelques jours plus tôt dans leur appartement. Je me demande si mon cousin pense ce qu'il dit. Jia de son côté se contente d'avoir un mouvement désinvolte de cheveux avec un sourire en coin complice. Ah là là, le bad boy. Et lui, feint-il cette complicité ou la ressent-il vraiment malgré leur tempérament qui clash peut-être parfois? Colin revient dans l'autre sens du podium et les fans dans la fosse tendent la main vers lui. Les mains. Je sais pas parler, c'est horrible. Mais c'est surtout parce que vous êtes là, depuis la première seconde, cher Comet. C'est parce que vous nous avez soutenus dans tout ce qu'on a fait depuis notre début. C'est un robot, voilà, c'est confirmé. Sans vous, nous ne pourrions pas fouler cette scène ce soir. Alors, tout ce qu'on fait jour après jour, c'est pour vous. Pour vous remercier. Colin pose une main sur son cœur. Ça y est, je fais des bugs. Voilà. Désolé Colin d'avoir ruiné ton joli discours si émouvant. Comme pour bien appuyer ses propos. Il paraît ému et les cris redoublent autour de nous. À nos comètes, ce merci du plus profond de nos cœurs. Disséminés un peu partout sur les deux scènes et le podium, les autres membres du groupe paraissent également touchés par les mots de leur leader. Eux aussi placent leurs paumes du côté gauche de leur torse avant de tendre le bras vers le public, comme s'il le referait à le cœur. Le mien bat d'émotion à ce geste. Ah oui. Merci! Après, il va pencher la tête en arrière, voilà, je me souviens. Annelle a crié en basculant de la tête en arrière. Et les dernières notes, c'est de ce long cri de remerciement. C'était pas du tout ça. Ils se sont perdus dans les acclamations ardentes de la foule. Bah, du coup, j'ai eu Aniel. Faut pas que je me trompe de photo parce que je les ai déjà. Voilà, je veux pas vous spoiler. Voici notre petit Aniel. Très mignon. On va pas se mentir. Nous espérons que vous nous appréciez ce concert inédit prélude à notre prochaine tournée. Je crois que c'était ça. Sachez qu'il vous est entièrement dédié et qu'il est notre façon à vous de vous dire merci. Ginny s'incline face à l'auditoire tandis que Imchan le rejoint et place une main amicale sur son bras. Merci de nous accompagner. Non, c'était pas ça. Merci de nous aider à toujours être de meilleures personnes et de nous accompagner dans tous nos moments bons et mauvais. N'aurais pas pu me rêver meilleur fan que vous. Imchan sourit d'un sourire très doux avant de faire le signe du cœur coréen des doigts. Je jette un regard autour de moi et aperçois plusieurs fans en train de pleurer. Je me sens moi-même au bord des larmes. On passe mytho.
Je l'ai tué depuis le début et j'ai vu tout le chemin parcouru qu'ils évoquent. Je me sens incroyablement fière d'eux et je suis heureuse d'avoir pu participer à leur succès. La façon dont ils attribuent leur réussite à leur public, avec humilité, est en outre très touchante. C'est facile de quoi? D'empêcher sa gorge de se contracter. Je sais pas lire. Shaun qui serre Miyun d'un bras sanglote carrément. Et maintenant, en place pour la suite. Vous êtes prêts les comètes? Non. Moi je suis la casseuse de délire vraiment. À chaque fois, je suis en mode non, je vous aime pas en fait. Je vais pas voulu venir. C'est Claire qui m'a forcé. Non mais vraiment. Tu poses des questions bêtes, Gia. À l'exclamation, puis à la question de Gia, les cris mêlés de oui exaltés crèvent presque le fond de la salle. L'élastique s'agite également de plus belle. Le man vocaliste rit en réajustant son micro devant ses lèvres. Aniel, qui tourne sur lui-même sur la scène, les bras en croix, arrête sa valse à côté de Gia et passe un bras léger autour de son cou. Alors c'est parti, direction les étoiles. Non, je veux pas aller dans les étoiles. Pour un aller simple seulement. Ah, donc après vous nous laissez là-bas et vous nous abandonnez, c'est ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Tous plaquent les doigts sur leur bouche avant d'envoyer quelques baisers vers le public, puis de courir vers les côtés de la scène. Ils disparaissent dans les coulisses. Nous avons alors droit à une vidéo où on voit les garçons assis sur le sable d'une plage la nuit. Ils font cuire des choses que je reconnais pas dans les flammes d'un feu, le camp de feu. Ouais! Dans les flammes d'un feu de camp tout en discutant. Puis leur repas terminé, ils éteignent le feu et s'allongent sur le sable pour regarder les étoiles. Des vues du ciel se succèdent avant qu'on ne voie Aniel se relever et proposer d'allumer des bâtons d'étincelles. Une seconde plus tard, ces feux d'artifice miniatures pétillent dans leurs mains et éclairent leur visage. Les cinq garçons marchent vers les vagues. Ensuite, tout se mélange à l'écran, les étincelles et l'eau. De chaque côté de la scène, des compositions pyrotechniques s'allument pour de vrai et je cligne des yeux face à cette lumière incandescente. Je crois que c'était ça, non? Je sais plus, j'ai oublié. M'en voulez pas, s'il vous plaît. Au même moment, des paillettes bleues, argent et transparentes tombent du plafond comme des gouttes de pluie. Le mélange féerique est irréel. Lorsque les membres de Star Star changent et apparaissent derrière les feux d'artifice, eux aussi semblent venir d'ailleurs. Leur musique reprend alors, les chansons et les chorégraphies également. Le discours de Colin tout à l'heure a l'air d'avoir galvanisé les comètes, car le lightstick s'agite à un rythme sans jamais se lasser. C'est une véritable marée d'astres jaunes qui déferle sur Séoul ce soir. Lors des pauses instrumentales dédiées aux fans chants, l'auditoire met tant de cœur à reprendre les paroles qu'il m'est impossible de retenir. Moi aussi, je chante à plein poumon sans jamais hésiter ces mots que je connais. Je vois que Colin, lors d'un mot. d'un de ses innombrables passages devant nous sur le podium, rit en me voyant s'y transporter. Le groupe bouge beaucoup sur les deux scènes. Je viens de comprendre en fait, je me suis mis à la scène. Le groupe bouge beaucoup sur les deux scènes et le concert est également très interactif, avec beaucoup de moments de parole. J'ai l'impression que le temps défile à la vitesse de la lumière. Vient ensuite déjà l'instant des solos où chaque membre seul en scène interprète un morceau particulier. Anya divise sa performance en chant et danse si gracieux et si angélique qu'il mérite une fois de plus son surnom. Colin rappe sur la majeure partie de la scène, Im Chan chante quant à lui une ballade. La chanson de Jia, qui a une présence phénoménale et dont la voix est incroyable, fait s'adresser les poils sur mes bras. Bon, du coup, j'ai Jia. Et normalement, si je suis logique, elle est là. Je suis logique. Comme le tour des génies, seules des lumières blanches en faisceau et en. Oh non, c'est ça que je veux pas dire. En faisceau. Je sais toujours pas le dire, c'est fou. Éclaire la deuxième scène en étoile. Partout ailleurs, la salle est plongée dans un noir d'encre. Une musique instrumentale coule des haut-parleurs. Ouais. Alors que deux rubans se déroulent du plafond et tombent mollement sur la scène. Quelques secondes plus tard, à la stupéfaction de tous, Ginny descend des rubans comme un oiseau qui s'accroche à des branches.
Il tourne, vrille sur lui-même et s'arrête avant d'avoir touché le sol. D'un mouvement fluide comme s'il avait habité dans les airs toute sa vie, le danseur enroule un ruban autour de chacun de ses biceps et se renverse. C'est pas pardi. On dirait qu'il est sur un trapèze. C'est pas possible! On dirait qu'il est sur un trapèze, mais il n'y a rien sur son bassin. Rien non plus sous ses pieds. Juste les rubans attachés à ses bras un peu enroulés autour de ses cuisses. À certains moments où la musique devient presque plus douloureuse, il y paraît pris comme un filet ligoté. À d'autres où les notes s'envolent, il devient presque aussi aérien lorsqu'il tourne. J'arrive pas à me concentrer sur le sens des phrases en deux. Lorsqu'il tournoie dans les airs avec une grâce et une légèreté incroyables, je suis incapable de détacher mes yeux de lui et dans ses sobres faisceaux de lumière blanche. De son visage aux yeux fermés tout le temps qu'il danse. L'intégralité de la salle retient son souffle pour autour de moi, suspendu à sa performance comme Ginny l'est au ruban. C'est autour de Claire dont les yeux sont ouverts comme des soucoupes de serrer ma main. Je suis moi aussi subjuguée. Il est là! J'y avais raison lorsqu'il disait qu'on allait en prendre plein des yeux. Je n'avais jamais rien vu de similaire à cette danse aérienne. Le temps s'arrête et c'est avec beaucoup d'étonnement que je vois soudain Ginny disparaître au plafond et les spots se rallumer. Arborant une fois de plus de nouvelles tenues, les cinq membres de Star Star reviennent avec un up-tempo qui donne furieusement envie de bouger. J'ai presque l'impulsion de bondir en bas de mon tabouret pour sauter dans tous les sens. Sur le podium, juste en face de moi, Colin collé. Je crois que j'avais déjà fait cette blague. C'est nul, hein. Aimchan a passé un bras autour de la taille de son meilleur ami. Les deux corps se fondent presque l'un dans l'autre comme s'ils étaient si à moi. Et je dois me rappeler que cette proximité est tout à fait normale en Corée. Ceci étant dit, les chippeuses du Ko-chan vont sans doute être folles en voyant ça. Je crois que c'est ça. Pour avoir... Enfin là, il s'agit de mon cousin, donc ça serait un peu bizarre quand même. Je m'apprête à lâcher Colin des yeux lorsque j'aperçois quelque chose qui attire mon attention. C'était ça en fait. Voilà. Je me souvenais plus, il était où le choix. Voilà, ils sont mignons. C'est tout. Les deux garçons sont juste sous mon nez sur la passerelle et je vois donc très bien ce qui se passe. Il me semble que soudain Colin s'est un peu affaissé et que son visage souriant pendant tout le reste du concert s'est altéré. Comme s'il ne se sentait pas bien. Près de moi, je sens Claire se tendre à son tour. Je ne dis rien. Vu le visage plutôt fermé de ma cousine, je préfère garder ma question pour moi. Colin, de toute façon, a déjà retrouvé un visage plus détendu et je me dis que peut-être je me suis inquiétée pour rien. Le concert continue vers son terme et les membres du groupe donnent tout ce qu'ils ont. C'est vraiment impressionnant à voir en live car sur les vidéos de concert que j'ai visionnées avant, on se rend difficilement compte de tous les détails. Ils se démènent pour nous donner un show fantastique. Je vois tout le travail qu'il y a derrière, toute la sueur versée. Star mérite tellement d'être arrivés là où ils sont. C'est presque à regret que je sens approcher la fin alors qu'ils entament leur dernière chanson puis leur appel. Quand la dernière note retentit, ce sont des tonnerres d'applaudissements qui prennent le relais. Tous les membres du groupe se sont approchés du devant de la scène, main dans la main. Ils ont l'air exténués mais heureux et émus d'un tel amour, d'un tel soutien. Colin appuie à nouveau son micro vers sa bouche. No Comets, merci. Votre présence ici ce soir nous a fait énormément de bien. Vous avez toute notre reconnaissance et on espère qu'on a été à la hauteur de ce que vous nous avez apporté. Les applaudissements toujours plus forts l'accompagnent. Les autres membres du groupe enchaînent l'un après l'autre. Je ne sais pas parler, c'est ouf. Ça me saoule vraiment.
Alors que les des plateaux les font monter chacun à des hauteurs différentes. On espère aussi bien sûr vous revoir au plus vite. En faisant toujours mieux, en allant toujours plus loin. On sait que vous serez avec nous tout le long du chemin. On vous aime plus que tout. C'est Aniel sur le plateau le plus haut au centre qui a le mot de la fin avec ce cri d'amour. Les membres du groupe saluent encore le public qui courbe la tête en signe de gratitude. Je n'ai pas envie que ça se termine, prise dans l'euphorie de l'instant. Mais hélas, je dois me rendre à l'évidence, mon premier concert de Sœur Star vient de s'achever. Le retour sur Terre risque d'être un peu compliqué car sortir de cette bulle euphorique ne me fait pas du tout envie. Le groupe disparaît derrière de nouveaux feux d'artifice miniature, puis les lampes se rallument dans la salle. Les exclamations heureuses et pleines d'émotions des fans remplacent la musique. Je n'ai pour ma part pas vraiment le temps d'atterrir en toute inquiétude. Quoi? Car Claire me prend abruptement par le bras. Elle retombe toujours les pieds sur terre beaucoup plus vite que moi. Natchan, viens, on va retrouver tout le monde en coulisses. Les yeux toujours dans les étoiles, je m'apprête à me faire violence pour la suivre. Mais les plans de ma cousine sont interrompus par Chaiwen qui vient d'essuyer les larmes sur ses joues. C'était tellement merveilleux, mon dieu. J'ai déjà tellement hâte d'être au prochain concert ou au prochain événement du groupe. Est-ce qu'on vous y reverra toutes les deux? Sûrement. Maintenant que je suis en Corée, je compte bien en profiter tout de mon sou. Mon sou, quoi? Moi aussi, je sais pas. Je sais. Laissez-moi tranquille, j'en peux plus. Super, je serais contente de vous y retrouver. Myung, occupé à lire des messages sur son smartphone, ne dit rien. Au fait, est-ce que je peux vous demander un selfie? Ah oui, c'était pas le selfie? Je ne veux pas. Elle a l'air impolie ou méchante, mais je sais pas ce que Colin penserait. Et il nous a, après tout, demandé la prudence de nos interactions avec les fans ici. Mais ma cousine paraît d'avoir de telles réserves. Je ne sais pas ce que j'ai lu. Je crois que j'ai dit n'importe quoi. On dirait plutôt qu'elle est pressée d'en finir, sans doute pour aller retrouver son frère. C'est vrai, je me rappelle tout à coup, il avait l'air un peu mal en point tout à l'heure. Moi aussi, je serais soulagée de voir s'il va bien. Oui, pas de soucis. Elle passe son bras autour de ma taille et me colle à elle sans délicatesse. Ravi, Chaowen s'accroupit devant nous en entraînant Myung avec elle. Elle tend son bras aussi loin qu'elle le peut et immortalise notre petit groupe dans celle du dia alors que le public commence à quitter la salle. Je te l'envoie sur Kakao Talk si tu veux. L'air toujours pressé, Claire lui donne son numéro d'identification d'un débit si rapide que je n'entends même pas tous les chiffres. Chaowen l'encode cependant sans problème avant que nous ne passions aux au revoir. A bientôt alors. Oui, voilà. Bonne fin de soirée. À vous aussi. Je n'ai pas l'honneur de m'attarder plus longtemps car ma cousine me tracte vers la porte pour laquelle nous sommes rentrés dans la salle. J'ai juste le temps de voir des gardes du corps entourer Sora pour empêcher que les gens du public viennent l'importuner. Je dois ensuite me retourner pour avancer si je veux pas finir à si je veux pas finir à terre remarqué par Claire et par le col de mon t-shirt. J'ai moi aussi tellement hâte de retrouver le groupe. Et on va s'arrêter là. Je sais, je suis cruelle de m'arrêter, mais au moins la vidéo durera plus longtemps dans 2 semaines. Mais j'en peux plus là, je pense que ça se voit. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Bye bye!